Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième séance de ce séminaire sur les théories du droit global. Mon nom est Ludovic Hennebel, je suis chercheur qualifié au FNRS et affilié au Centre Perelman de philosophie du droit. Et je vais vous parler du droit administratif global. Alors, en général, quand on parle de droit administratif, ce n'est pas quelque chose qui suscite en tant que tel un enthousiasme absolument débordant. Moi-même, je ne suis pas particulièrement sensible à la matière. Ici, on va examiner autre chose, pas en tant que tel du droit administratif, mais bien le droit administratif global, qui est, vous allez le voir, une doctrine proposée par certains auteurs pour essayer de comprendre comment est-ce que la globalisation influence le droit et comment émerge en réalité des interactions d'une série d'acteurs globaux, eh bien, ce qu'eux appellent un droit administratif global. Alors le plan de la présentation est relativement basique. Je vais tout d'abord énoncer avec vous quelques éléments de définition pour essayer qu'on puisse tous comprendre de quoi on parle a priori. Et après ça, je vais passer en revue les différentes composantes de ce droit global, de ce droit administratif global, hein, que je vais appeler le GAL, conformément au Global Administrative Law, hein, c'est le terme utilisé par ces auteurs. Je vais donc passer en revue les différentes composantes de ce GAL, vous expliquant tout d'abord quels sont les opérateurs globaux ou les administrations globales que ces auteurs identifient. Ensuite, quels sont les objets globaux qui sont régulés par le GAL et par les opérateurs globaux. Quels sont ensuite les sujets de ce GAL, hein, les sujets de ce droit administratif global. Ensuite, je passerai à l'espace administratif global, ce que les auteurs appellent l'espace administratif global, c'est-à-dire la scène sur laquelle, en réalité, le terrain sur lequel, effectivement, nouent ces différentes interactions entre ces opérateurs globaux. Puis, évidemment, j'aborderai la question du champ d'application du GAL, mais également les sources du GAL et les mécanismes et principes qui régissent ce droit administratif global. Alors, dans les deux derniers points, on va passer à des questions un petit peu plus spéculatives, puisque j'aborderai avec vous, d'une part, les conceptions normatives du GAL, en gros, à quoi ça sert le GAL, quel est le projet normatif, ou quels sont les projets normatifs des auteurs du GAL, pourquoi est-ce qu'ils dessinent les traits et les contours de ce droit nouveau, à quoi ça sert. Et le dernier point de l'exposé concernera certaines questions et critiques qui sont adressées à l'égard du GAL, qui effectivement suggère en quelque sorte que le droit international est obsolète, par exemple. Et donc j'aimerais bien un petit peu discuter avec vous de cette question-là, mais également essayer de voir avec vous quel est le concept du droit que le GAL utilise et qui permet de fonder sur un plan juridique le GAL tel qu'il est défini par ses auteurs. Alors, vous aurez vu dans la liste bibliographique qui vous était donnée ce sont il y a différents articles qui vous ont été soumis. L'un d'eux concerne vraiment l'émergence du GAL en tant que tel, qui a été écrit par Kingsbury et deux autres auteurs. D'autres articles ont été produits par un Italien qui est M. Sabino Cassese. Hein, donc certains d'entre vous ont lu certains des articles de M. Cassese. Et l'ensemble de cette doctrine en tant que telle a été proposée dans le cadre d'un réseau international, en quelque sorte, de chercheurs, mais est prédominée essentiellement par des écoles américaines et également par la doctrine italienne. On voit ça fort présent, en tout cas, dans le GAL et donc dans l'ensemble des théories qui y sont développées.
Alors, en ce qui concerne les définitions, tout d'abord, on trouve notamment sous la plume de Monsieur Cassese, eh bien, des définitions, en fin de compte, une définition, en fin de compte, assez sommaire, assez brève, presque brute. Hein, le droit administratif global, ce sont les normes, les structures, les procédures relatives à l'activité de régulation globale. Bon, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, je ne sais pas si grâce à ça ou grâce à cette définition, on peut dire qu'on voit exactement ce qu'est le GAL, mais enfin, on voit ici une définition, en fin de compte, assez pragmatique, hein, qui consiste à identifier principalement des normes, des structures, des procédures qui vont régir quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être effectivement la gouvernance globale. Alors, il distingue le droit administratif global de deux autres notions qui sont connues et étudiées par les juristes. D'une part, le droit administratif international. Attention, là, il dit c'est le droit relatif aux relations entre une administration nationale et les citoyens du même État vivant à l'étranger ou qui y travaillent. Donc, pas grand-chose à voir a priori avec le GAL, qui est beaucoup plus large, évidemment, que cette notion beaucoup plus précise de droit administratif. Et il estime qu'il faut également distinguer le GAL du droit international administratif, droit relatif à des organisations internationales, comprenant les règles de procédure et les institutions de l'organisation, de l'emploi et de la procédure. Donc il définit en réalité ici tout ce qui concerne le règlement essentiellement interne des organisations internationales. Quelqu'un est engagé aux Nations Unies, comment est-ce que ce type de contrat, par exemple, va être régulé? Eh bien, c'est le droit international administratif qui nous en donne en tant que tel les normes applicables. Donc voilà, droit administratif global, donc définition pragmatique d'après Cassese, normes, structures, procédures relatives à la gouvernance globale, à l'activité de régulation globale. Les auteurs de l'école de la NYU, de New York University, proposent une définition également pragmatique, hein, que je vous ai mis ici au tableau, où ils vont insister essentiellement sur un critère qui est le critère de accountability, le critère de responsabilité. Donc là, ils vont vous dire, effectivement, le GAL, ça comprend l'ensemble des mécanismes, des principes et des pratiques qui sont de nature à promouvoir ou à impacter d'une certaine manière sur justement cette accountability, sur cette responsabilité de quoi ? Eh bien, des organes administratifs globaux. Et en particulier, donc, ce sont ces mécanismes et principes qui vont permettre de faire en sorte que ces organes rencontrent, effectivement, respectent des normes de transparence, de participation, de motivation des décisions, de légalité, le tout dans le cadre, évidemment, du respect également d'un contrôle effectif de recours en cas de contestation des décisions adoptées par ces administrateurs globaux. Une autre définition, tout aussi sommaire que celle de Cassese, vise à voir dans le GAL l'idée d'un corpus normatif relatif à la gouvernance globale. Alors, ce sont des définitions qui, en tant que telles, n'apportent pas grand-chose si on ne les assortit pas d'exemples, évidemment. Et avant d'en donner deux, je voudrais simplement souligner ici, en quelques mots et en des mots simples, ce qu'est le GAL, comment ça fonctionne, comment ça marche, et ce qu'il faut en retenir. Les auteurs de la doctrine GAL nous disent simplement: on voit aujourd'hui, à l'ère globale, on voit émerger un ensemble d'acteurs globaux, des opérateurs globaux, des administrations globales, toute une série de comités qui sont de nature hybride, parfois publique, parfois privée, parfois public et privé, qui sont un petit peu difficiles à identifier, mais quoi qu'il en soit, ces opérateurs globaux vont avoir aujourd'hui et ont des pouvoirs de régulation des affaires qui concernent les activités humaines, que ce soit des affaires économiques et sociales. Donc, premier point de départ, on voit effectivement émerger ces acteurs-là, ces opérateurs globaux, qui ont des pouvoirs de régulation. Deuxième constat, eh bien, ces opérateurs globaux sont de plus en plus puissants. Pourquoi ? Parce que le champ matériel qu'ils contrôlent est de plus en plus large,
Et en réalité, il n'y a plus vraiment de secteur de la vie humaine qui échappe potentiellement à un aspect global. Et dès lors, eh bien, il n'y a plus vraiment d'aspect de la vie, d'activité de la vie humaine qui est susceptible d'échapper en tant que tel à leur pouvoir opérationnel. Donc, ils montent en puissance de plus en plus. On fait de plus en plus appel à eux. Et par ailleurs, ils gagnent en autonomie, en particulier par rapport aux États. Ils sont de plus en plus indépendants. Troisième constat, on constate qu'il y a dans ce contexte-là une lacune grave et importante, qui est que si effectivement ces opérateurs globaux gagnent en indépendance, en autonomie, et que par ailleurs leur pouvoir est de plus en plus étendu, le problème que nous avons, c'est qu'il n'existe pas, ou pratiquement pas, de règles permettant de leur demander de rendre des comptes quant à leur activité, quant aux normes qu'ils adoptent et quant à l'ensemble des pratiques éventuellement qu'ils décident de suivre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de régime d'accountability, il n'y a pas de régime de responsabilité à leur égard. Et cela va pousser en tant que tels les auteurs du GAL à s'interroger, ou les auteurs du droit global, à s'interroger sur la manière dont on peut combler cette lacune. Et ils vont d'abord vérifier dans quelle mesure les droits nationaux ou éventuellement le droit international peut répondre à cette lacune, et très vite, ils constatent que les droits nationaux, mais également le droit international, sont des droits qui ne sont pas adaptés à cette problématique globale-là, et que dès lors, ils ne peuvent pas, on ne peut pas effectivement en tirer de règles cohérentes, d'accountability, permettant de demander à ces organes et à ces opérateurs globaux de rendre des comptes. Et donc ils disent, à partir du moment où on a vu ces opérateurs globaux gagner en indépendance et en autonomie, être de plus en plus puissants, qu'il y a un problème de responsabilité ou de régime de responsabilité, parce qu'il n'y en a pas, que le droit national et le droit international est insuffisant, les auteurs du GAL se disent, on va dès lors proposer simplement, nous, des règles, on va proposer un régime justement d'accountability, et ce régime d'accountability, il va se baser, il va naître en quelque sorte de cette doctrine que l'on appelle le GAL. Résumé, donc vous avez effectivement systématiquement dans toutes les affaires du GAL cette logique selon laquelle vous aurez à chaque fois un problème global. On va vous montrer que ce problème global est régulé de manière globale par des opérateurs globaux et tout cela doit effectivement donner naissance d'une manière ou d'une autre, en tout cas c'est l'objectif doctrinal du GAL, à un contrôle justement de ce qui est fait, un contrôle de ces opérateurs et à un régime d'accountability. Deux exemples qui sont souvent cités dans le cadre du GAL et dans la doctrine du GAL. Le premier exemple concerne la régulation des affaires terroristes, la régulation du terrorisme. Le deuxième exemple est celui qui concerne la pêche au thon. Alors, en ce qui concerne les affaires terrorisme, l'exemple que donnent les auteurs du GAL est le suivant. Ils nous disent, on a effectivement un problème global, typiquement une menace globale, le terrorisme international, le terrorisme transnational. Pour pouvoir répondre à cette menace-là, il y a différents types de régulations qui sont mises en œuvre, au niveau national, au niveau international. Bien entendu, on va confier comme ça des pouvoirs de réglementation à différents types d'organismes internationaux, transnationaux et autres. Une des idées qui est née dans l'esprit de certains experts des Nations Unies consistait à dire on va mettre en place pour lutter contre le terrorisme des sanctions dites intelligentes. Ces sanctions dites intelligentes vont consister à essayer d'identifier les personnes qui sont susceptibles d'être impliquées dans des activités terroristes, les lister sur ce qu'on a appelé par la suite des listes noires, et en fonction de leur implication démontrée ou hypothétique, on est susceptible par la suite d'adopter des sanctions à leur égard, dont notamment le gel de leur avoir. Donc l'idée est assez simple, vous avez identifié quelqu'un qui apparemment, d'après des sources nationales, est impliqué dans les affaires terroristes, on le met sur une liste,
Après, une fois qu'il est effectivement sur cette liste, eh bien, on en tire toute une série de conséquences en termes, par exemple, de circulation, de mobilité internationale, de gestion des avoirs, etc., etc. On a confié la gestion de ces listes-là, notamment au comité de sanctions des Nations Unies qui faisait suite, en tout cas l'ensemble de, de ce programme-ci, faisait suite à l'exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, chaque État eh bien, est supposé respecter ces résolutions du Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations Unies et transmettre la liste des personnes qu'il suspecte être impliquées dans les affaires terroristes. Et après une petite enquête, eh bien, on va effectivement décider de les mettre sur les listes. Le problème qui s'est posé, c'est que une fois qu'on était inscrit sur les listes, eh bien, il n'y avait pas de recours qui était prévu, qui était organisé et qui allait permettre, en tant que tel, aux personnes concernées de pouvoir contester l'inscription. Hein, donc on dit effectivement à un moment donné une information qui est souvent en plus de ça est présidée par le secret, une information est communiquée au comité de sanctions des Nations Unies, on dit telle personne, monsieur X, est effectivement suspecté d'affaires terroristes, hein, on n'a pas besoin spécialement de preuves détaillées, on l'inscrit, une fois qu'il est inscrit, il a toute une série d'ennuis dans sa vie quotidienne, et après ça, eh bien, s'il veut effectivement être délisté, il n'y a pas de recours. Chaque institution se renvoyait un petit peu la balle, les Nations Unies renvoyant aux États, les États renvoyant aux Nations Unies, etc. Donc on a un problème global, la régulation du terrorisme, un problème très concret, les sanctions intelligentes et les listes noires. On a un régulateur global qui intervient et à qui on va confier des pouvoirs ici, en l'occurrence, les Nations Unies et plus particulièrement le comité de sanctions de l'ONU. Et puis après ça, on va avoir, et c'est en cela que les auteurs du GAL estiment que leur théorie est importante, on a un problème d'accountability, on a un problème de contrôle des opérations faites par les opérateurs globaux. Et eux nous disent, les auteurs du GAL nous disent, ben vous voyez qu'en réalité, ce problème de contrôle est vraiment déterminant, en l'occurrence, pour la bonne tenue en tant que telle de la régulation globale. Et ce contrôle va être opéré, dans le cas en tout cas des listes noires, tant par la Cour de justice de l'Union européenne, hein, qui a effectivement considéré en l'espèce qu'il devait y avoir la possibilité d'un recours pour les personnes listées qui devait effectivement pouvoir demander à être délisté, et également par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, hein, dans l'affaire Sayadi et Vinc contre Belgique, où effectivement le comité va estimer également, va sanctionner en quelque sorte l'opérateur global par le biais des États, hein, en disant attention, effectivement, il faut pouvoir organiser un type de recours. Tout cela va produire un effet, ce contrôle va produire un effet, puisqu'on va voir par la suite les Nations Unies, ou plus particulièrement le Conseil de sécurité, adopter des mesures destinées à permettre quelque part une forme de révision ou une forme de contrôle. Donc un premier exemple est celui du terrorisme. Deuxième exemple qui est cité et explicité par Cassese dans son ouvrage, c'est celui de la régulation de la pêche au thon. Alors, problématique globale par excellence, le thon rouge du sud est effectivement menacé et donc il va falloir le protéger. Pour pouvoir le protéger, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les États, ou en tout cas certains d'entre eux, les plus concernés, vont décider d'adopter un traité afin de le protéger, et dans le cadre de ce traité, ils vont mettre en place une commission pour la conservation du thon rouge du Sud, traité qui lie au départ l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et puis très vite, on va se rendre compte que la problématique du thon rouge ne concerne pas, du thon rouge du Sud ne concerne pas uniquement ces trois États-là. Et donc cette commission va elle-même décider de créer une commission étendue
qui va accueillir, par ailleurs, non seulement d'autres États, mais également des acteurs qui sont des associations de pêche. Donc là, on a ici en fait des acteurs privés ou semi-publics qui vont être invités à participer à cette procédure de régulation. Alors, cette commission va avoir pour principale tâche d'établir des quotas et également de contrôler la pêche illégale. Donc typiquement, voilà, problème global, la disparition du thon rouge du Sud. Régulateur, on met en place un régulateur global ou un opérateur global par le biais d'un traité qui est ici cette commission pour la conservation du thon rouge. Cette commission-là va s'étendre en créant une commission étendue dans laquelle on va accueillir des acteurs qui ne sont pas nécessairement étatiques. Et le tout va devoir également faire l'objet d'un contrôle en particulier en cas de désaccord, et c'est ce que nous explique KCZ. Il nous explique que, suite à un désaccord entre le Japon et les autres États, les États ont décidé de faire appel à un tribunal arbitral qui va adopter une sentence destinée à contrôler en tant que telle les activités de l'opérateur global qui n'arrivait pas, en l'occurrence, à effectivement régler en interne, si je puis dire, le litige qui opposait ces deux États. Okay? Donc la dynamique que nous proposent les auteurs du droit global s'inscrit dans cette dimension-là. Et en réalité, ils multiplient évidemment les exemples. Rassurez-vous, je m'arrête là. Mais ils multiplient les exemples en vous donnant à chaque fois cette même logique. Problème global, régulateur global. En vous expliquant qu'effectivement, il faut contrôler le régulateur, il faut un mécanisme d'accountability, et c'est sur cette base-là qu'ils vont commencer à travailler. Alors, pour pouvoir construire leur gale, pour pouvoir construire leur doctrine, nos auteurs vont proposer d'essayer d'un petit peu identifier le terrain. Je vous ai dit qu'on parlait d'opérateurs globaux. Alors, c'est quoi un opérateur global ? Ils ne le définissent pas vraiment. Ils nous proposent, en revanche, de les décrire. Alors, ils les décrivent en disant, vous allez voir qu'en réalité, c'est extrêmement large comme champ, on a 5 catégories d'opérateurs globaux. Premier type d'opérateur global, comme on l'a vu pour les Nations Unies, par exemple. Premier type d'opérateur global, tout simplement, les organisations internationales. Les organisations internationales créées par des États font partie du champ des acteurs ou des opérateurs globaux étudiés par les auteurs du GAL. Alors, ils citent évidemment l'exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils citent, avec l'exemple des listes terroristes que j'ai citées, ils citent le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies. Mais oui, effectivement, le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies adopte des normes qui vont avoir un effet global, puisque ce haut commissaire-là va définir la notion de réfugié, va définir les politiques à mettre en place en matière d'accueil de réfugiés, etc. Donc on voit qu'effectivement, ici, on a une organisation internationale, ou en tout cas un acteur d'une organisation internationale, qui adopte des normes globales qui vont avoir un effet et qui vont devoir être mises en place par les États. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui vous dit quand il y a un risque accru de grippe, et donc ce qui va avoir effectivement, par exemple, un effet sur, par exemple, la possibilité de prendre un avion, l'achat de vaccins, toutes ces choses-là. Donc ici, on a également des opérateurs globaux tels que l'OMS qui vont également être en charge de régulation globale. Les exemples peuvent être multipliés. On a la Banque mondiale, le groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Tout ça, ce sont des organes qui sont effectivement créés par traité ou par des accords exécutifs et qui existent et qui peuvent être classés dans la catégorie d'organisation internationale. Deuxième exemple cité par nos auteurs, ce sont les réseaux transnationaux et accords de coordination, où là, il s'agit en réalité de structures au statut un petit peu plus complexe ou en tout cas un petit peu moins classique que ne le sont les organisations internationales.
Ce sont des créations, ce sont des réseaux qui vont être créés sans accord très formalisé. Hein, donc on a effectivement des accords, mais on n'est pas dans le cadre ici de traités internationaux. Ce sont des coopérations plutôt informelles entre des régulateurs nationaux. Et donc là, on a un exemple qui est cité, le comité de Bâle en matière bancaire, qui réunit les exécutifs des banques centrales. Et donc là, on a effectivement des exécutifs qui travaillent normalement au niveau national, qui se retrouvent dans un réseau transnational qui est le comité de Bâle, pour essayer de décider justement de normes qui vont avoir un effet global et qui sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des pays et éventuellement à l'ensemble des acteurs concernés par ce type de secteur. Hein, donc une dimension un petit peu particulière, un petit peu différente par rapport à celle des organisations internationales. Troisième exemple, c'est celui des régulateurs nationaux. Hein, ce sont des régulateurs ici qui se voient déléguer la régulation de problèmes globaux et avec des décisions qui peuvent avoir parfois un effet extraterritorial. Typiquement, en matière environnementale, on va adopter des normes globales et puis on va demander à des institutions nationales de les mettre en œuvre, de les appliquer. Et évidemment, dans le cadre de l'application, de la mise en œuvre de ces normes environnementales, il se peut qu'elles aient des effets en tant que telles sur, au plan extraterritorial. Quoi qu'il en soit, ici, les régulateurs nationaux font également partie du jeu, font également partie de la scène et donc doivent être pris en considération. Les autres types de structures sont des structures hybrides publiques-privées, également considérées comme des opérateurs, typiquement la gestion des noms de domaine, hein, qui est assurée par l'ICANN, qui est à la base une structure privée, qui s'est élargie par la suite et qui a accueilli en son sein également une représentation publique. Ce sont des structures qui sont vraiment nées typiquement de la globalisation pour essayer de gérer des problèmes globaux. Le Codex Alimentarius, la commission du Codex Alimentarius qui adopte des normes en matière en matière alimentaire, eh bien, est également une de ces structures qui combine en quelque sorte le public et le privé, en tout cas des acteurs publics et privés. Et enfin, on a également des institutions qui sont purement privées, mais qui, malgré tout, jouent un rôle de plus en plus important dans le cadre de cette régulation globale et qui sont susceptibles d'adopter effectivement des normes globales aux effets globaux. Telles que l'ISO, par exemple, hein, les normes ISO, tout le monde connaît ou a entendu parler des normes ISO qui vont définir effectivement en général des critères techniques ou qualitatifs de certains produits. La ISO est en tant que telle une structure à la base privée. Les ONG qui s'occupent du commerce équitable et qui vont déterminer c'est quoi le commerce équitable et éventuellement mettre un logo ou des points ou attribuer des points ou certifier éventuellement certains opérateurs économiques. Ces ONG-là sont purement privées, complètement indépendantes et pourtant, à un moment donné, elles adoptent des normes et ces normes sont susceptibles de produire des effets globaux. Ça, ce sont en tant que tels les opérateurs globaux du GAL. Vous voyez que c'est très très large. Hein. Il y a de tout là-dedans. Hein. On n'exclut pas le classique puisque les opérateurs internationaux et les régulateurs nationaux sont dedans. Mais en même temps, on ouvre complètement le champ ici, le champ des opérateurs à l'ensemble des institutions, notamment privées et autres. Les objets globaux, ouais, ça. C'est assez malheureux comme choix graphique. Les objets globaux sont particulièrement larges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, rassurez-vous, on ne va pas rester très longtemps ici, sur cette page. Et quand on lit les travaux du GAL, en réalité, on se demande, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quel est encore le type d'activité humaine qui est susceptible d'échapper à son empire. On voit effectivement qu'on parle parmi les objets globaux, donc, c'est-à-dire les objets qui sont susceptibles d'être régulés, on va avoir la pêche, hein, parler de la pêche au thon, on va avoir la question
de l'espace, la question de l'Internet, les questions bancaires, les questions relatives à la santé, à l'environnement, au terrorisme, la gestion de l'eau, les questions météorologiques, la question de la corruption, les produits pharmaceutiques, les droits de l'homme, tout ça sont autant d'objets qui effectivement rentrent de nouveau dans notre champ. Donc on a des opérateurs globaux, je vous ai dit, qui étaient définis de manière assez large. On a des objets globaux définis de manière encore plus large, ce qui montre évidemment l'ambition en tant que telle du GAL. Et alors, bien entendu, à partir du moment où on parle de droit, eh bien, on va devoir définir également quels sont les sujets de ce droit. Là, les auteurs du GAL, je pense, sont volontairement vagues sur la notion de sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien si les sujets dont ils parlent sont des sujets dans le sens strictement juridique, ou s'il s'agit plutôt de bénéficiaires, d'acteurs, éventuellement de cibles parfois, c'est-à-dire de personnes concernées par les effets des normes globales. Les sujets ici semblent être parfois un petit peu définis comme étant toute personne intéressée d'une manière parfois même indirecte ou concernée par les normes globales adoptées par les opérateurs globaux. Alors, pour pouvoir identifier ces sujets, eh bien, ils partent en tant que tels du terrain, hein, ils partent dans l'ensemble des exemples qu'ils ont cités, puis ils vous disent effectivement que le champ personnel du GAL comprend essentiellement deux grands types d'acteurs, deux grandes catégories d'acteurs, d'une part les États, d'autre part les acteurs privés. Alors, en ce qui concerne les États, eh bien, on dit effectivement qu'il est important que les États qui font partie en tant que tels du champ global puissent être éclairés dans le cadre notamment de la gouvernance par des normes de respect de la rule of law ou des normes environnementales. Typiquement, la Banque mondiale, lorsqu'elle finance un projet, va demander à ce que les États qui bénéficient d'un subside respectent ce type de normes, respectent les normes environnementales, respectent des normes en matière de droits de l'homme, etc. Donc on voit, au départ d'un exemple comme celui-là, que ici vous avez la Banque mondiale comme opérateur global qui va émettre des normes qui vont effectivement avoir un effet direct sur les États. Et donc on peut considérer effectivement que les États sont sujets ou en tout cas concernés par les normes globales adoptées. Autre catégorie d'acteurs sont les acteurs privés, hein, où là, effectivement, on nous dit, eh bien, il y a les individus, les entreprises, les ONG, sont autant d'acteurs privés qui sont susceptibles d'être concernés également par les normes globales. On donne l'exemple du Haut Commissariat aux réfugiés. Mais forcément, quand le Haut Commissariat aux réfugiés adopte des normes globales en disant ce qu'est un réfugié ou quelle est la prochaine politique applicable en matière de réfugiés, eh bien, cela a un impact direct sur la personne candidat réfugié. Donc on a effectivement un impact direct sur l'individu. En matière environnementale, on a, en matière par exemple de crédit carbone, on a un effet direct sur les entreprises qui vont effectivement être concernées par leur politique environnementale. Les ONG également vont être concernées à bien des égards par une série de normes globales qui sont adoptées lorsque par exemple on sait que les ONG doivent de plus en plus, ou en tout cas pour certaines de leurs missions, être certifiées par les Nations Unies. Donc là, on voit que les Nations Unies, organisation internationale, opérateur global, va effectivement décider d'une politique de certification de certaines ONG pour avoir accès à certaines choses. Donc on voit effectivement que de nouveau ici, les ONG sont concernées. Dès lors qu'elles sont concernées, on les considère comme étant sujets du GAL. Une fois qu'on a défini les opérateurs, les sujets, les objets, les auteurs du GAL nous proposent d'identifier et d'essayer de comprendre c'est quoi l'espace administratif global. Alors, à cet égard-là, ils distinguent l'espace national de l'espace international et ils disent en réalité, il y a encore autre chose, il y a encore un autre espace, il y a encore un autre terrain de jeu qui n'est pas purement national, qui n'est pas purement international,
c'est l'espace global. Et là, ils considèrent effectivement que la régulation globale ou que les régulations globales qu'ils analysent transcendent les espaces nationaux et l'espace international. C'est le fait que ces régulations globales-là vont transcender les deux autres espaces qui va leur permettre d'imaginer qu'il y a sans doute un espace administratif global indépendant. Et les opérateurs globaux sont de plus en plus indépendants par rapport aux espaces nationaux. L'important à retenir dans cette logique-ci, ou en tout cas sur ce point qui concerne l'espace administratif global, ce sont ces deux derniers aspects. D'une part, leur idée est que l'espace global naît en tant que tel des interactions et des interconnexions complexes entre ces différents acteurs globaux. Donc c'est parce que ces différents acteurs vont interagir dans un espace qui n'est pas sous l'emprise directe du droit international ni sous l'emprise directe du droit interne que l'on doit, on a effectivement l'idée d'un espace autonome, d'un espace global autonome. Alors on peut se poser des questions de savoir effectivement qui tient les rênes en quelque sorte de cet espace global, qui contrôle les points d'entrée de cet espace global, ce qui nous mènerait à une autre question qu'on peut éventuellement aborder plus tard, et que Kingsbury notamment aborde. Est-ce que l'espace administratif global tel qu'il existe, si effectivement on est convaincu par cette démonstration, est-ce qu'il est purement occidental, est-ce qu'il est impérialiste, puisque évidemment à partir du moment où on définit en quelque sorte sa couleur, on va devoir déterminer également son mode de production de normes et donc éventuellement les règles du jeu de demain. Le deuxième aspect que je veux souligner, c'est l'intérêt en tant que tel de leur démonstration, l'intérêt doctrinal de leur démonstration. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un espace administratif global? Ils veulent simplement démontrer qu'un espace global autonome existe. À partir du moment où on considère qu'il existe, eh bien, ils peuvent dire, vous voyez bien, il faut le réguler. C'est ça l'intérêt du GAL, c'est ça leur en tant que tel leur projet premier. Par ailleurs, ils ajoutent à ça, c'est typiquement dans le cadre des formations juridiques américaines, mais ils ajoutent à ça en note de bas de page que cela permet également de penser qu'il faut dès lors former le juriste de demain à cette notion d'espace administratif global, d'espace juridique global, parce que le juriste de demain sera confronté non seulement aux espaces nationaux, également à l'espace international, mais il s'ouvre un tout nouveau champ qui est celui de l'espace juridique global, dans lequel effectivement des problèmes se posent, des problèmes de régulation et de responsabilité. Le champ d'application du GAL est, particulièrement large sur le plan matériel, avec l'ensemble des objets régulés. Et là, je reviens à des aspects de définition, après avoir mentionné un petit peu les principales composantes. Et je voulais juste insister sur cette idée qui est centrale dans le cadre du GAL et de sa conception, qui est que le GAL en tant que tel ne propose pas un droit substantiel. C'est pas quand on parle de droit administratif global, il ne faut pas y lire l'idée d'un droit substantiel. Et donc les auteurs du GAL ne proposent pas simplement un code de l'ensemble des normes globales en matière de pêche au thon ou en matière de régulation d'Internet ou autre. Non, eux, ce qui les intéresse, c'est simplement l'ensemble des principes et des procédures qui président à l'adoption des normes globales, et plus particulièrement le régime d'accountability qui doit encadrer ces procédures et ces principes. Donc on n'est pas dans une logique de normes substantielles ou de droits substantiels, on est vraiment dans une logique plus procédurale, si je puis dire, qui est en tant que telle le cœur du GAL. Alors, pour pouvoir continuer leur projet de construction juridique et leur projet doctrinal, les auteurs du GAL vont s'intéresser, dans le cadre de leur analyse, à la question des sources. Ils vont se demander, en fin de compte, c'est quoi les sources de ce droit administratif global.
Ici, ils ne vont pas réellement répondre ou trancher de manière définitive les questions, mais ils vont en tout cas écarter certaines pistes. Elle commence par le droit international public. Ils disent, ben, en fin de compte, un type de source possible pourrait être simplement les sources classiques du droit international public, traités, coutumes, principes généraux, pourraient effectivement être la source ou parfois éventuellement fondée sur un plan juridique le GAL. Très vite, ils vont considérer que effectivement ces sources-là font partie des sources possibles du GAL, tout en disant, attention, elles ne peuvent en aucun cas suffire. Pour toute une série de raisons que je ne vais pas trop détailler, mais leur idée, c'est en réalité un traité, par exemple, c'est beaucoup trop rigide, c'est beaucoup trop formaliste. Et donc un traité ne peut pas permettre, un traité entre États, ne peut pas permettre d'encadrer et de comprendre en tant que tel le fonctionnement global de ces opérateurs globaux. Il va leur falloir des sources sans doute un petit peu plus flexibles. La coutume, elle est trop lente. Les principes généraux sont souvent trop controversés. Et donc, ils vont écarter ces sources-là tout en disant qu'elles peuvent effectivement faire partie des sources, mais certainement pas, ne peuvent en aucun cas suffire. Deuxième idée évoquée par les auteurs du GAL, ils vont dire, ben, éventuellement, on pourrait imaginer que la source du GAL, voire son fondement juridique, pourrait être trouvée dans une notion qui se rapprocherait du jus gentium. Hein? L'idée, ce serait ici de se rapprocher d'une notion du jus gentium qui n'est pas, qui ne serait pas celle du droit international, en ce sens que le droit international est conçu comme un droit entre États uniquement. Mais ici, l'idée, c'est d'avoir un jus gentium plus proche de celui de Grotius, qui est plus élargi et dans lequel, effectivement, on va trouver un ensemble de valeurs communes ou de sources communes qui vont, ou de régulations communes, à différents types d'acteurs, y compris, par exemple, des acteurs privés, des collectifs, voire éventuellement ici, des entreprises privées ou d'autres types d'acteurs encore, mais également, y compris, les États. Donc un droit commun aux sujets multiples, et là se pose évidemment la question de savoir, mais ce serait quoi en fin de compte ce jus gentium, d'où est-ce qu'il viendrait, de quoi est-ce qu'il s'inspirerait, quel serait son fondement juridique premier, et là, Kingsbury notamment s'interroge, et il écarte d'emblée le droit naturel. Il dit que ce n'est certainement pas du droit naturel. Il préfère considérer que ce serait que le fondement de ce jus gentium-là serait le fait social ou la pratique. Donc en tant que tel, ce qui est effectivement à l'origine de la régulation, et je vais y revenir quand on parle du concept du droit. Pour l'instant, ici, ce qu'on retient, c'est que quand on examine les sources possibles, les sources juridiques du GAL, on écarte, comme sources exclusives, les sources classiques. On se demande dans quelle mesure, éventuellement, on ne pourrait pas imaginer un concept de jus gentium, comme ça, inspiré des pères fondateurs du droit international, mais qu'il faudrait revoir et dont il faudrait discuter plus en détail le fondement même. Et puis ils intègrent également le droit interne dans l'ensemble des sources possibles. Ils disent la même chose que pour les sources classiques du droit international, le droit interne ne peut pas suffire, bien entendu, puisque nous sommes ici dans un nouvel espace qui est l'espace administratif global et qu'on a affaire à des problèmes globaux. Toutefois, on voit, il le constate, que le droit interne joue un rôle dans le cadre de la régulation des affaires globales, joue un rôle notamment de contrôle, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur les listes noires de l'ONU, vous pouvez effectivement faire appel à un juge interne pour demander à être délisté. C'est une manière, effectivement, d'essayer de faire recours. Donc les juges nationaux vont jouer un rôle qui va être important et qui va permettre de définir, malgré tout, en tout cas, soit l'effet de certaines normes globales, soit en tant que telles, qui va permettre de les contrôler.
Quoi qu'il en soit, les droits internes, évidemment, souffrent d'un problème d'homogénéité, sont fragmentés, et donc voir dans un droit interne, ou en tout cas dans un, comment dire, dans une sorte de cumul des droits internes, une source possible du droit global, poserait évidemment un problème, qui est que les droits internes sont relativement fragmentés, et donc il faudrait en trouver la substance commune, ce qui est un travail particulièrement complexe. Donc, en tant que tel, les sources du GAL restent un problème qui est posé, avec en fin de compte des solutions qui sont écartées, ou en tout cas une certaine prudence méthodologique de la part des auteurs, hein, qui vont dire attention, il faut se méfier des sources classiques, bien qu'elles en font partie, et donc décident de laisser la question des sources formelles du GAL ouverte à ce stade. Et comme je vous le disais, on va voir que la question revient lorsque l'on pose celle du fondement juridique du GAL. Alors, tout ça pour en arriver à ceci. Tout ça pour en arriver, en fin de compte, à définir ces fameux principes et ces fameuses règles procédurales que les opérateurs globaux, émergents et de plus en plus puissants sont censés respecter lorsqu'ils adoptent une régulation à effet global. Pour pouvoir l'exposer, les auteurs du GAL proposent simplement, d'une part, de nous faire une sorte, de nous présenter une forme de taxonomie, et après ça, de nous énoncer les standards. Alors, lorsque on fait en tant que tel cette forme de cartographie en tant que tel des mécanismes, ils nous disent, ben voilà, parmi les mécanismes de contrôle qui existent, et qui, les mécanismes d'accountability notamment, qui vont exister, qui vont permettre d'énumérer en tant que tel et de préciser ces principes et d'assurer leur mise en œuvre, mais il y a tout d'abord les institutions nationales. Ils disent, ben effectivement, on voit que les juridictions nationales, les parlements, les exécutifs vont de plus en plus essayer de jouer un rôle justement pour influencer d'une manière ou d'une autre ou contrôler parfois les régulations globales qui sont faites par les différents opérateurs globaux. Les exemples qui sont donnés, c'est la Cour constitutionnelle bosniaque qui, à un moment donné, a invalidé certaines décisions de l'Office du haut représentant en Bosnie, hein, qui avait été créé à la suite des accords de Dayton en 1995, alors qu'à la base, cet organe était en principe indépendant et international et global, et pouvait effectivement avoir un pouvoir d'administration sur le terrain, sur le territoire bosniaque. Et soudainement, vous avez un juge interne, donc un petit acteur national, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, qui dit « Attention, à partir du moment où vous, opérateur global, agissez sur mon territoire et prenez des décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact national, eh bien, vous devez respecter à tout le moins la Constitution. » Voilà. Un exemple donc cité par les auteurs du GAL pour nous dire qu'effectivement, on voit que parmi la naissance en tant que telle de ces mécanismes et parmi les mécanismes de contrôle, il y a un rôle qui est joué par ces acteurs nationaux, bien qu'ils concèdent bien volontiers que, en réalité, il n'y a pas toujours de cohérence dans le système, et donc on ne peut pas systématiser le rôle des acteurs nationaux dans ces mécanismes de contrôle. Mais un autre exemple qui est cité, qui est intéressant, c'est celui du tribunal arbitral du sport, hein, qui doit, d'après une cour allemande, respecter, par exemple, les principes du procès équitable. A priori, le tribunal arbitral du sport est un organe opérateur global. Il agit en dehors de la scène nationale, en dehors de la scène internationale. Il agit sur cet espace administratif global. Donc on peut se dire, ben, effectivement, les normes qu'il doit respecter sont les normes propres qu'il adopte. Non, nous disent les auteurs du GAL, attention, il y a des normes à respecter, par exemple celles du procès équitable, et qui nous le rappelle, eh bien, le juge interne dans le cadre d'une affaire contentieuse. Autre type de mécanisme, mis à part les mécanismes imposés donc par ces acteurs internes, ce sont en tant que tels les mécanismes internes, c'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en place par les opérateurs globaux eux-mêmes.
opérateurs globaux eux-mêmes, vont mettre en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes de révision, permettre aux parties intéressées de contester les décisions globales qu'ils ont adoptées, ou éventuellement permettre à d'autres acteurs ou à des acteurs intéressés ou concernés de participer à leur procédure de décision. Donc là, c'est un autre élément, évidemment, en faveur, disons, de la démonstration du GAL, puisqu'on nous dit, ben, vous voyez que ces opérateurs globaux, de plus en plus, sont concernés, en quelque sorte, par les parties prenantes et vont essayer de les intégrer dans leur processus de décision, vont essayer de les intégrer dans leur donnant la possibilité également d'exercer, par exemple, un recours lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une décision concernant une matière spécifique. Alors, ici, on a effectivement différents exemples. Hein, le panel d'inspection de la Banque mondiale permet de déposer plainte si, effectivement, on vise à contester une décision qui serait adoptée ou mise en œuvre par la Banque mondiale. Au niveau des Nations Unies, je vous ai parlé du comité de sanctions du terrorisme, eh bien, depuis l'ensemble des contentieux qui ont concerné ces listes noires, eh bien, les Nations Unies ont mis en place une procédure de délisting qui va permettre effectivement à des particuliers ou à des États faire valoir certains droits, éventuellement des possibilités de recours. Donc on voit comme ça qu'il existe de plus en plus de mécanismes en tant que tels d'ouverture, mais ce sont des mécanismes internes de participation et d'accountability. Alors, enfin, il y a les mécanismes également des opérateurs nationaux, cette fois-ci, mais qui agissent sur la scène globale par une sorte de dédoublement fonctionnel. Hein, je vous avais dit, en matière environnementale, par exemple, on a un opérateur national, mais qui agit en tant qu'opérateur global, en quelque sorte. Là également, on va adopter des règles propres à la mise en œuvre interne des normes globales. Là, l'exemple type, c'est que l'on va dire, par exemple, via l'OMC, via le Fonds monétaire international, on va dire à ces administrations nationales quels sont le type de principes, par exemple, qui doivent être respectés ou le type d'objectifs à atteindre en matière de lutte contre la corruption, etc. L'ensemble de ces exemples montre quoi ? Montre essentiellement, vise essentiellement à démontrer de manière empirique ces interconnexions entre ces différents acteurs globaux et l'existence, en réalité, d'autre chose que simplement une régulation, c'est-à-dire l'existence de mécanismes de contrôle, de mécanismes de participation, de mécanismes de recours qui, encore une fois, comme je vous l'expliquais, constituent hein, la substance du GAL. Alors, en ce qui concerne les principes et les standards qui constituent le cœur du GAL, les auteurs distinguent essentiellement deux types de standards et de procédures et de principes, les principes et les standards de nature procédurale et puis ceux de nature substantielle. Alors en ce qui concerne les principes et standards de nature procédurale, on va insister essentiellement sur trois aspects: la participation, la motivation des décisions et les possibilités de recours. En tant que tel, la proposition du GAL n'est pas si extraordinaire que ça, puisque leur idée, pour rappeler ce que je disais au début, consiste simplement à dire vous avez des opérateurs globaux, dès lors qu'ils sont de plus en plus puissants et qu'ils adoptent des régulations qui vont avoir des effets qui vont vous concerner, vous, mais également les entreprises, les ONG, les États, etc., ben, il est normal qu'on mette en place, à tout le moins, des procédures qui vont permettre effectivement aux personnes concernées de participer ou en tout cas de savoir ce qui se passe. Ce sont les procédures de transparence. Il est normal que l'on permette également aux parties intéressées de comprendre les décisions qui sont adoptées à leur égard. Et donc, on ait des décisions qui sont motivées. Hein, tribunal arbitral des sports, lorsqu'un sportif est suspendu,
Il est bon, effectivement, de savoir pourquoi, comment se motive la décision, plutôt que simplement d'avoir une décision sans motif, sans motivation. Mais également, il faut avoir une motivation quant à l'adoption des règles, hein, essayer que effectivement les règles telles qu'elles sont adoptées soient justifiées. Pourquoi est-ce qu'on adopte une règle plutôt qu'une autre? Et donc que l'on ait accès, en quelque sorte, par un mécanisme de transparence, aux travaux préparatoires, si je puis dire, d'une règle qui a été adoptée, pour pouvoir en comprendre en tant que telle la raison. Troisième principe, le recours. L'exemple des listes terroristes est évidemment évident à cet égard-là. On vous met sur une liste, il faut que vous puissiez avoir un recours. En matière globale, de manière très générale, le recours reste effectivement une dimension absolument centrale. Et ces recours peuvent être soit des recours purement internes, en tant que tel, l'opérateur global va mettre en place son propre recours administratif interne, soit, ou parfois c'est cumulé, soit il peut s'agir évidemment de recours juridictionnels. On peut toujours aller effectivement devant un juge national, devant un juge international dans certaines circonstances, pour pouvoir éventuellement contester une décision ou une règle adoptée par ces opérateurs globaux. Deuxième type de principes et de standards, ce sont les principes et standards de nature substantielle, où là, ils énoncent une série de standards, disons plutôt qualitatifs, de la règle. Ils disent effectivement qu'une règle, une norme globale, doit être proportionnelle, qu'elle doit s'inscrire dans un rapport de nécessité et qu'elle doit répondre à des attentes ou aux attentes légitimes des parties intéressées. Alors ce sont des principes qui nous paraissent assez naturels en droit classique et qui s'inspirent évidemment du droit administratif, mais également du droit international et du droit de l'homme. Si on prend la proportionnalité, par exemple, on va considérer que dès lors qu'il y a ingérence, il faut que l'ingérence soit effectivement justifiée de manière proportionnelle. C'est-à-dire que si je vous interdis de pêcher le thon, il faut que cette interdiction-là, qui est une ingérence dans votre liberté de pêcher le thon, soit effectivement justifiée par rapport à un critère de nécessité. Cette proportionnalité, évidemment, est tout à fait centrale et donc, effectivement, s'inspire très fort de l'ingérence en matière de, ou en tout cas des mécanismes d'ingérence et de contrôle de l'ingérence en matière de droit international et de droit de l'homme. Alors, au passage, les auteurs du GAL nous soulignent qu'évidemment, il y a des exceptions, hein, à ces principes et standards. Ils disent, voilà, on ne peut pas exiger une transparence totale dans toutes les affaires. En matière de sécurité, par exemple, lutte contre le terrorisme, ce genre de choses-là, on ne peut pas effectivement permettre à quiconque qui se dit intéressé ou concerné d'avoir accès à l'ensemble des informations. On ne peut pas lui permettre d'avoir des recours contre toutes les formes de décisions qui sont adoptées. Il y a des nuances à adopter en fonction des sujets, en fonction des secteurs d'activité. C'est pareil évidemment en matière de finances, par exemple. Hein, on ne peut pas exiger de la part des comités concernés par des aspects financiers, particulièrement importants sur un plan stratégique, de livrer l'ensemble des détails, en tout cas, qui les ont menés à l'adoption de certains types de normes. Voilà pour le GAL. Voilà ce qu'est en tant que tel le GAL, de manière très descriptive, de manière assez empirique. Vous avez vu que les frontières du GAL sont en fin de compte assez peu définies, hein, ça couvre un champ particulièrement large, c'est ça l'ambition du projet, c'est ça qui le rend un petit peu complexe. Ça l'est également à la lumière des conceptions normatives du GAL, c'est quoi les projets du GAL, à quoi ça sert le GAL, à quoi sert le GAL, quel est le projet en fin de compte de ces auteurs.
Alors là, dans cette partie qui concerne les conceptions normatives du GAL, les auteurs sont également prudents, hein, donc ils ne prennent pas trop d'engagements fermes et définitifs. Mais ils considèrent qu'on peut considérer qu'il y a au moins trois projets possibles, trois projets normatifs possibles. Et ce sont des projets qui, disons, peuvent se concevoir un petit peu par escalier. Hein, donc la première marche, qui est certaine, qui est la plus aisée à comprendre et la plus aisée à justifier, c'est celui qui consiste à dire, comme je vous l'ai dit, voilà, le GAL, ça sert essentiellement à déterminer un régime d'accountability des opérateurs globaux. Voilà. Donc là, à cet égard-là, les auteurs du GAL sont d'accord, ils estiment que c'est une position qui est pratiquement pragmatique, hein, c'est, voilà, on a le problème de la lacune, la responsabilité de ces opérateurs qui montent en puissance. Donc voilà, donc leur idée, c'est à tout le moins, au minimum, notre projet, c'est ça, on va mettre en place un régime d'accountability. Le deuxième projet normatif du GAL va consister, qui est plus ambitieux, qui est la deuxième marche de l'escalier, va consister à dire, ben, en fin de compte, on peut imaginer également que le projet du GAL, l'idée de déterminer en tant que tel un cadre juridique dans le cadre duquel les opérateurs globaux vont devoir agir, eh bien, c'est également d'assurer la protection des droits. Effectivement, à partir du moment où on a défini ce cadre qu'est le GAL, eh bien, on va obliger le comité de sanctions des Nations Unies à permettre aux personnes intéressées d'avoir un droit de regard sur ce qui est fait à leur égard, d'avoir éventuellement une possibilité de recours, etc. Donc en fin de compte, à quoi ça sert le GAL ? Ben, ça sert à permettre les opérateurs globaux qui échappent aux structures juridiques nationales et internationales, qui sont un petit peu dans ce cadre vague et lacunaire sur le plan juridique, mais que ces acteurs-là n'échappent pas au droit et soient effectivement tenus de respecter un ensemble de valeurs, un ensemble de normes juridiques également. Et donc, en réalité, le projet du GAL, c'est bien la protection des droits. Alors, il dit, attention, c'est pas seulement, et là ils sont très prudents, c'est pas seulement la protection des droits individuels, dans le sens droit de l'homme, c'est la protection des droits de l'ensemble des acteurs intéressés, dont notamment des États. Hein, donc leur idée, c'est effectivement que l'ensemble des droits individuels et étatiques vont être mieux protégés dans le cadre des opérations globales dès lors que l'on a le GAL. Enfin, troisième projet, le plus ambitieux, le plus controversé, le plus problématique pour un tas de raisons, c'est celui de la promotion de la démocratie. Le GAL servirait en tant que tel ou pourrait servir à promouvoir la démocratie. Alors, à cet égard-là, les auteurs du GAL, de leur propre aveu, sont un petit peu mal à l'aise en disant « Attention, c'est très ambitieux, c'est un petit peu spéculatif, voilà, on ne sait pas très bien en tant que tel jusqu'où on peut aller avec cette idée-là, mais on pourrait effectivement imaginer que dès lors que l'ensemble de ces opérateurs globaux vont respecter les principes et procédures que je vous ai explicités, le principe les possibilités de recours, l'obligation de motivation des décisions, etc. Tout cela appartient à l'idée en tant que telle de la prééminence du droit, hein, et en tant que telle, tout cela correspond ou répond à des valeurs démocratiques. Et donc, en fin de compte, eh bien, si on délimite, on définit un cadre qui est le cadre du GAL que devra suivre ou dans, qui va permettre justement de structurer les activités des opérateurs globaux, eh bien, en fin de compte, on promeut la démocratie ou en tout cas des valeurs démocratiques. Alors là, il y a toute une série de problèmes qui sont posés dans leur doctrine à cet égard-là et encore une fois qu'ils avouent eux-mêmes. Hein, c'est le problème de la question de la définition de la démocratie, la méthode aussi grâce à laquelle on pourrait imaginer que la promotion de la démocratie soit effectivement faite par les opérateurs globaux. Donc, ce sont des questions qui sont un petit peu laissées en suspens par les auteurs du GAL, et on préférera simplement se contenter, en pratique,
en tant que tel de l'escalier numéro 1, c'est-à-dire du régime d'accountability, là-dessus tout le monde est d'accord, et puis éventuellement, dans certains textes en tout cas, on voit que l'idée de protection de droit un petit peu est consécutive au reste, et donc peut effectivement être vue comme étant un des projets du GAL. Alors, vous voyez que les auteurs du GAL ont proposé, au départ, d'une observation de base. On voit les opérateurs globaux, les régulations globales, les objets globaux, etc., etc., les régulations globales, tout ça. Ils ont proposé, effectivement, un cadre normatif, un cadre pour pouvoir essayer de comprendre tout ça, mais aussi pour pouvoir, justement, au départ... proposer que soit systématisé le respect d'un ensemble de principes et de standards. Toutefois, le GAL, comme d'ailleurs toute théorie du droit global, sans doute, pose une série de questions qui doivent être résolues, et en tout cas, enfin, qui ne le seront sans doute pas aujourd'hui, mais qui, effectivement, doivent être abordées et qui, effectivement, sont mises en évidence dans le cadre du GAL. Alors, je vais laisser un peu d'espace pour la discussion, donc je vais aller un peu rapidement ici, en guise de conclusion, et comme ça, après, éventuellement, on peut revenir sur certains points de discussion ici. Le premier point sujet à controverse, c'est que dans les théories du droit global en général, on part du postulat, ou parfois de la démonstration, que le droit international est mort. Le droit international, en tant que tel, il est dans un mouroir, en ce sens qu'il est incapable de réguler les affaires globales, il est incapable de s'adapter, et la raison pour laquelle il est incapable de s'adapter, c'est parce que le droit international tel qu'il est conçu aujourd'hui est un droit interétatique, entre États, qui ne laisse que très peu de place aux autres types d'acteurs, là où, effectivement, ces nouvelles régulations globales, ces nouvelles choses globales, doivent inclure toute une série d'acteurs qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la conception juridique ou théorique que l'on propose. Alors, par rapport à cette question-là, évidemment, et quand on lit le GAL, vous pourriez avoir un lecteur sceptique, un internationaliste, par exemple, classique, qui vous dirait « mais le droit international, il n'est pas du tout... le droit international se porte très très bien ». Et d'ailleurs, tout ce que vous décrivez, on peut le replacer dans des catégories, soit de droit interne, soit de droit international, sans aucune difficulté. Après, il y a des choses qui existent, effectivement, il y a des normes qui ne sont pas toujours bien qualifiées sur un plan juridique, qui produisent effectivement des effets, mais tout ça ne change rien en tant que tel à notre structuration, juridique et à la logique selon laquelle, effectivement, le droit international soit se porte très bien, soit n'est pas concerné par ces objets-là, et par ailleurs, les plus ambitieux éventuellement diront que le droit international, de toute façon, peut très bien s'adapter et, quelque part, embrasser l'ensemble de ces objets-là pour pouvoir les réguler s'il le souhaite. Donc, la position sceptique est effectivement entendue, légitime. Alors, à côté de ça, vous allez avoir plutôt peut-être une réaction plus idéaliste, éventuellement, de certains auteurs, qui va consister à dire, et peut-être plus engagée, hein, une réaction qui va consister à dire, le droit international, effectivement, il est fini. Le droit international ne sert pas à comprendre ou ne permet pas de comprendre nos objets d'étude. Le droit international, en tant qu'il est statocentré, effectivement, est complètement dépassé. Et donc, il faut proposer, effectivement, un nouveau droit global fondé sur un nouveau paradigme et revoir tout depuis le début, alors en disant éventuellement, le droit international peut effectivement continuer à s'occuper juste des affaires interétatiques et continuer sur cette voie-là. En ce sens, le droit global nouveau serait susceptible effectivement de coexister.
Mais c'est effectivement l'idée selon laquelle, effectivement, il faut repenser tout ça à nouveaux frais. Alors, la position pragmatique, qui est à mon avis la position plutôt, après la position du sceptique, la position de l'idéaliste, qui est la position du pragmatique, qui est celle plutôt des auteurs du Gall notamment, ou d'autres auteurs parfois, consiste à dire, en fin de compte, on ne va pas tellement s'intéresser à cette question-là. On ne va pas tellement s'intéresser à la question de savoir si le droit international se porte bien ou pas. Ce qu'on voit, c'est simplement qu'il y a des choses nouvelles, et que ces choses nouvelles-là, on n'arrive pas à les classer dans les catégories classiques. Et donc, comme on n'arrive pas à les classer dans les catégories classiques, on va créer de nouvelles catégories pour permettre de penser le tout. Et c'est un petit peu, en fin de compte, ce que font les auteurs du Gall. Hein. Ils ne partent pas d'emblée de l'hypothèse selon laquelle le droit international est dépassé. Ils n'attaquent pas frontalement le droit international. Non, ils vous disent plus simplement, effectivement, le droit international, le droit interne sont peut-être un petit peu dépassés par certains problèmes. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le problème et comment est-ce qu'on peut éventuellement les résoudre. La deuxième question, penser le droit au-delà de l'État, rejoint évidemment la première, inévitablement. Mais là, on voit, et notamment de la part de certains auteurs du Gall, cette idée selon laquelle, dorénavant, ces régulations globales-là doivent être pensées au-delà de l'État. Alors, l'État, dans le modèle du Gall, n'est pas éliminé, simplement l'État devient un sujet qui est sur un pied d'égalité avec les autres sujets. Hein, donc il doit partager en tant que tel l'exclusivité de ses pouvoirs. Mais l'État en tant que tel n'est pas éliminé. En revanche, ce qui est éliminé de certains écrits, en tout cas dans certains écrits du Gall, c'est l'idée d'un ordre juridique global. Hein, donc l'idée d'un ordre juridique étatique qui permettrait de penser le droit global, est mis de côté par les auteurs, ou en tout cas par certains auteurs du Gall. Alors là, le sceptique de tout à l'heure, il revient en force et il vous dit « Mais non, mais penser le droit hors ordre juridique, ça ne va pas, c'est impossible, l'État, c'est le droit. Donc là vous brouillez les pistes. Et c'est absolument insupportable, donc ça démontre par ailleurs que votre droit global, effectivement, n'existe pas, puisque vous n'avez pas d'ordre. Donc s'il n'y a pas d'ordre, eh bien, il n'y a pas de droit. Alors l'idéaliste va vous dire, il faut effectivement imaginer un nouvel ordre juridique global, et certains auteurs, des auteurs plus jus naturalistes, vont imaginer un ordre juridique global nouveau qui serait fondé sur l'humain, sur l'humanité, et qui aurait pour valeur fondamentale, par exemple, la dignité, la fraternité, l'humanité, ce genre de concept-là. Et au départ de cet ordre-là, avec au sommet, en quelque sorte, l'individu, eh bien, on devrait reconstruire l'ensemble de notre droit, et en particulier du droit global. Le pragmatique, encore une fois, ne va pas véritablement s'intéresser à cette question de savoir comment penser avec ou sans un ordre. Il se contente simplement de dire que l'État devient un acteur parmi d'autres sur un pied d'égalité avec les autres acteurs. On voit Cassese, malgré tout, proposer ou imaginer un ordre global administratif, il est vrai, qu'il définit de manière un petit peu trop brève à mon sens, en réalité, cette question, de nouveau, d'un point de vue pragmatique, est de moindre importance, mais elle est évidemment, c'est un projet en tant que tel qui a des conséquences importantes. Les deux dernières questions se rejoignent, c'est la question du fondement juridique, du concept de droit et du projet normatif du Gall. Alors, sur le fondement juridique, je vous l'ai dit, en réalité, c'est assez ambigu parce que quand on parle des sources du Gall, hein, on prend à un moment donné le droit international classique, on dit ça en fait partie, mais ça ne suffit pas. Droit interne, ça en fait partie, mais ça ne suffit pas non plus. Le jus gentium renouvelé, repensé, peut éventuellement faire l'affaire, nous disent les auteurs du Gall. On ne sait pas très bien c'est quoi ce jus gentium renouvelé, mais enfin, voilà, il peut servir éventuellement de base juridique pour pouvoir le penser. Dans un de ses articles, Kingsbury
propose, en s'inspirant notamment de Hart, il propose comme fondement, comme concept de droit, l'idée selon laquelle la norme globale qui aurait un caractère juridique serait celle qui serait le fait social ou la pratique. Et puis il dit, mais attention, pour pouvoir effectivement conforter en quelque sorte les règles de conduite le fait social ou la pratique, les règles primaires, il faut des règles secondaires qui comprennent notamment une règle de reconnaissance. Cette règle de reconnaissance, pour pouvoir la définir, ce que propose de faire Kingsbury, c'est effectivement de considérer que la norme globale, pour pouvoir être considérée comme juridique, doit revêtir le caractère de ce qu'il appelle le publicness. Et le publicness va être lui-même défini par rapport à l'ensemble des standards et des procédures que je vous ai détaillées tout à l'heure. En d'autres termes, une norme juridique, selon Kingsbury, a cette valeur de norme juridique dès lors qu'elle correspond à cette règle de conduite émanant du fait social ou de la pratique, et dès lors qu'elle a été adoptée en respectant ce principe de publicness, c'est-à-dire en respectant un ensemble de standards et de procédures énoncés dans le cadre du GAL, qui lui confère en quelque sorte une forme de validité. Alors, tout ça est critiqué, discutable, parfois de manière un petit peu complexe, parce que c'est un système qui est un système un petit peu autoréférencé, ce qui fait que certains auteurs vont essayer de greffer à cela l'idée en tant que telle d'une constitution globale. Donc là, on revient à la séance de la semaine dernière, en essayant de penser une constitution globale qui pourrait être justement composée de la rule of law ou éventuellement de l'ensemble des principes et standards que j'ai cités, pour essayer d'avoir quelque chose, un référent de nature à légitimer en tant que tel le tout. Donc, fondement juridique et concept de droit dans le GAL reste un chantier complexe, mais en tout cas, la théorie exprimée par Kingsbury est celle essentiellement du fait social avec cette idée de publicness, donc qu'il ajoute en tant que tel comme concept. Dernier point, et je terminerai par là, le projet normatif, je vous ai dit, projet normatif, c'est un, avoir un régime d'accountability, deux, la protection des droits, et troisièmement, éventuellement la promotion de la démocratie. Je vous ai dit que la promotion de la démocratie, c'était potentiellement compliqué comme projet et très discutable. Mais ce projet normatif-là nous renvoie à une autre question qui est importante, à mon sens, dans le cadre du GAL, qui est la question de la légitimité des opérateurs globaux. On nous dit que ces opérateurs globaux sont de plus en plus importants, qu'ils adoptent des décisions qui vont avoir un impact dans votre vie privée, publique et autres. Dans le choix, les choix potentiellement opérés par les opérateurs économiques. Donc on nous dit que ces opérateurs globaux-là sont de plus en plus puissants. On nous dit qu'ils régulent. On nous dit qu'effectivement, ils sont censés respecter des procédures et des standards. Mais on peut s'interroger effectivement sur la question de leur légitimité démocratique. Est-ce que ces organes-là, est-ce que ces opérateurs-là ont une légitimité démocratique quelconque ? La question, évidemment, reste ouverte. Alors, on peut imaginer que dès lors que l'on parle d'opérateurs qui ont une charge déléguée par un État, eh bien, il y a une légitimité indirecte, celle, effectivement, de la délégation étatique. Mais c'est plus compliqué lorsque l'on parle, par exemple, d'acteurs privés, l'ISO ou autres institutions privées. Comment est-ce que ces institutions sont censées, effectivement, démontrer leur légitimité démocratique. Alors, en tant que tel, le problème de la légitimité n'est pas résolu. C'est un chantier, c'est une question qui reste ouverte et qui peut être discutée. Certains auteurs proposent éventuellement, plus frontalement, disons, de revoir en tant que tel le concept de légitimité. Donc se disent, en fin de compte, peut-être que la légitimité, dès lors que l'on est en dehors du système étatique, elle ne se pose pas de la même manière.
et peut-être qu'on n'a pas un besoin aussi accru de légitimité dans le cadre des opérations globales, parce qu'on n'est pas dans un cadre étatique. Donc peut-être qu'il faut repenser en tant que tel le concept de légitimité à cette lumière-là. Cassese nous dit à un moment donné, oui, par ailleurs, en ce qui concerne la légitimité, on peut relativiser tout de même le pouvoir des opérateurs globaux en disant, en fin de compte, ils adoptent des standards qui vont inciter, qui vont avoir des effets, mais enfin, ils n'ont généralement pas vraiment de pouvoir de contrainte, donc ce qui est un petit peu contradictoire par rapport à l'image qu'on nous donne des opérateurs globaux qui montent en puissance. Et puis, d'autres auteurs ont proposé l'idée de la privatisation de la légitimité. L'idée, c'est que la légitimité ne devrait plus être perçue comme étant une légitimité démocratique publique, mais une légitimité effectivement privée, dès lors qu'elle serait elle-même certifiée ou attestée, soit par l'opérateur lui-même, soit éventuellement par l'interaction avec les autres opérateurs ou les autres mécanismes de contrôle. Question évidemment qui reste ouverte. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Et donc je propose de prendre directement les questions et surtout n'hésitez pas éventuellement à faire des commentaires ou à compléter éventuellement certaines choses par rapport à ce qui était dit.